Moscou-Vladivostok, 1298 km. Première pierre posée par Nicolas II en 1891. Ouverture de la ligne 15 ans plus tard, en 1916. Moscou, une capitale en plein renouveau. La place des Trois Gares, point de départ de la ligne pour un voyage d'une semaine. 990 gares traversées, un tiers du globe parcouru, 7 fuseaux horaires. On découvre le travail du personnel du train et la vie des passagers. Première étape, le passage de la Volga à Nijni Novgorod, une des villes de l'Anneau d'Or. Ensuite, c'est la vie des villages de l'Oural. Ekaterinbourg et la fin tragique de la famille impériale. Leurs funérailles 80 années plus tard à Saint-Pétersbourg. Le choc époustouflant des paysages du lac Baïkal. Le Transsibérien, une aventure mythique sur les traces de Michel Strogoff jusqu'à la mer du Japon, à Vladivostok.